Hier, j'enregistrais la vidéo pour vous présenter le matériel que j'emportais sur le GR738. Donc je suis rentré chez moi, j'ai fait le montage de la vidéo, puis je me suis dit je vais quand même regarder un petit peu le tracé du GR738, voir les étapes, etc. Je voulais encore m'entraîner un petit peu, faire encore quelques randonnées, encore un peu de dénivelé, courir un petit peu, etc. Donc je pensais partir d'ici 3-4 jours. Et puis en fait, finalement, j'ai mis la trace GPX sur ma montre. Je me suis dit, allez, je pars demain matin. Voilà, comme ça, j'étais pas prêt. Et puis finalement, bah, je suis super content. Je trouve que c'est mieux comme ça quand on arrête de trop intellectualiser les choses. Donc mon sac était prêt vu que je voulais montrer en vidéo. C'était juste dans ma tête. Je voulais être prêt. Mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment être prêt un jour? Bah, je sais pas. Donc je me suis dit, allez, passe à l'action. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi 5 heures cette nuit. Et voilà, j'avance. Je suis content. Je me vide l'esprit, mon téléphone là je viens de l'allumer pour me filmer, mais sinon il est en mode avion rangé ici dans ma banane, donc c'est royal quoi. Je profite, j'avais voulu regarder la météo, me dire bon si la météo est pas terrible j'y vais pas et tout, finalement c'est pas grave, si on attend le moment parfait bah on fait jamais rien quoi. Sympa ce refuge, il paraît que dans le massif de Beldon, il y a plein de cabanes non gardées qui sont ouvertes, qui sont entretenues par une association qui s'appelle Tous à Poil, poil comme le poil à bois, enfin après, peut-être comme vous voulez. Tiens, regardez, petite cabane dans les bois, des toilettes, bah, c'est sympa ça en pleine forêt comme ça, on est tranquille. Il fait chaud et je n'ai plus d'eau. Ce que j'aime bien dans les petits villages comme ça, c'est tendre l'oreille. Et là, j'entends un doux son. Regardez, petite fontaine. C'est pas merveilleux ça? Pouvoir faire le plein. En plus, il y a écrit eau potable. Génial. Ça fait du bien de boire et de refaire les réserves. Cette fontaine, en plus, on la voit qu'au dernier moment quand on arrive. Donc c'est la belle surprise. Bon, cela dit, il paraît que de l'eau, on en trouve facilement sur le GR738. Bah, je vous raconterai ça au fil de mon avancée. En revanche, le ravitaillement en nourriture, il paraît que c'est un peu moins évident. Donc je suis parti avec 6 jours de nourriture dans mon sac à dos. Je vous montrerai un peu le détail plus tard, bah, pourquoi pas ce soir au premier bivouac. Et donc ce matin, avec 6 jours de nourriture, 1,5 litre d'eau, et puis bien sûr tout le matériel dans mon sac, j'étais à 8 kg. Et donc la bonne nouvelle, bah, c'est qu'au fil des jours, avec ce que je vais manger, mon sac va peser de moins en moins lourd. Et ça, bah, ça fait bien plaisir. Allez, je repars. Encore un petit cours d'eau, donc si vous avez le filtre, eh ben, y a moyen de trouver de l'eau potable. Je suis arrivé au col de Champais. Et ben en fait, je crois que c'est là que je vais mettre mon bivouac pour ce soir. Alors, il n'est pas très tard, je suis arrivé ici à 16h. Là, il est 16h30, je profite, je me repose. J'ai trouvé un petit coin ici, là-bas, qui m'a l'air bien sympathique pour poser la tente. Je vais attendre vers 19h pour mettre la tente. Je vais profiter de la soirée, manger tranquillement. Je vais être bien, malgré ce petit vent. Mais bon, ce petit vent, il m'a fait sécher en 2 minutes, parce que j'avais le t-shirt trempé. Donc ça, c'est quand même, bah, c'est bien du coup. Voilà la nourriture que j'ai emportée, il y en a une partie comme ça qui est en vrac et il y en a une partie dans un sac ici. Ça c'est tous mes lyophilisés, c'est des doubles portions.
Celui-là, c'est 250 ml d'eau. Bah, je vais faire slyophiliser parce que les autres, c'est un petit peu plus. Et puis, sachant que j'ai pas d'eau dans le coin et qu'il m'en reste, il me reste à peine 1 litre, j'essaie de l'économiser un peu. Moi, je peux vous dire que ça fait bien plaisir ces pâtes, ces spaghettis carbonara. Comme d'habitude, bah, c'est Lyophilisé & Co qui me les a envoyés. Et puis, bah, pour vous, comme d'habitude, vous avez un code de réduction 10%, le code TANIER10, valable chez lyophilisé.fr sur tout ce qui est matériel et lyophilisé. Bon, allez, on va terminer le repas. Puis, j'ai pas tardé à aller me coucher. Je viens de faire 2 km sur les crêtes là, absolument magnifique, seul au monde, c'est génial. Une très bonne nuit, zéro condensation. Je me suis levé, j'ai pas pris de petit-déj, j'aime pas trop prendre de petit-déj le matin direct en me levant. Donc je marche, là ça fait 2 km que je marche. Je marche encore quelques kilomètres et puis je m'arrêterai. Bon, il faudrait que je trouve de l'eau aussi, ce serait pas mal. Et puis je me ferai un petit-déj. En attendant, c'est incroyable d'être ici quoi. Thank you.
C'est beau cette montée, hein. Il est 13h, c'est la pause déjeuner dans cette petite cabane, dans ce petit refuge. Ouais, je me mets à l'ombre parce que dehors, il fait vraiment très très chaud. L'ambiance a bien changé là, c'est forêt, grosse grosse chaleur. Tout à l'heure j'étais tout là-haut, derrière, beaucoup descendu. Et du coup il va falloir beaucoup remonter maintenant. C'est l'heure de l'apéro, à la vôtre. Je me suis trouvé un endroit de bivouac, regardez ça, je suis juste derrière le pas de l'ours qui se trouve un peu plus par là-bas. Regardez comme c'est joli, les environs. Bref, je vais être bien pour la nuit, je suis un petit peu en retrait, donc comme ça personne ne me voit. J'aime bien les bivouacs discrets. Je termine mon apéro, ensuite c'est lyophilisé, et ensuite c'est un gros dodo, et on continue demain matin. Vous le croyez si je vous dis que je suis en train de caler? Ouais, j'ai peut-être mangé un petit peu trop de trucs salés avant. Bon, en tout cas, si vous faites des longues randos, franchement, je vous conseille les doubles portions. Ça, c'est 1000 kcal. Et je cale, voilà. Alors, je vais quand même finir, je vais manger tranquillement. J'ai la tente qui m'attend après pour aller me coucher parce que la nuit, elle va quand même faire du bien. Donc, allez, je termine et puis à demain. Bon bah c'est sec hein. Oh.
Ah, c'est bien. Ça veut dire que je vais pouvoir ranger la tente rapidement. Quelle bonne idée ce chalet avec une petite table là pour se reposer, du soleil pour mettre le panneau solaire, il y a même de l'eau, bref, je suis très bien ici, regardez comme c'est joli. Donc ce matin, la montée, c'était pas la plus belle montée que j'ai connue, hein. Ça monte pas mal dans la forêt. D'ailleurs, heureusement que j'ai la montre pour me donner une indication sur le dénivelé, à peu près savoir où j'en suis. Ça aide pour le moral de savoir qu'on a bientôt fini ou pas cette montée, sachant qu'après, on enchaîne encore sur une descente, et puis sur une autre montée, sur une autre descente. Enfin bref, c'est belle donne, ça n'arrête pas. Mais c'est ce qui fait le charme de ce GR. Trop joli ce petit lac et ce refuge. Passer un petit moment pour manger. Puis là, je vais redescendre sur Fond de France. La météo annonce de gros orages et du mauvais temps ce soir et demain. Donc je vais aller voir au gîte, là à Fond de France, s'il y a de la place pour m'accueillir ce soir. Et puis je ferai le point demain matin. Quand j'ai été réveillé cette nuit à 3h du matin par les orages, et ben je peux vous dire que j'étais bien content de ne pas être sous la tente. Après, il y a eu beaucoup de grêle, enfin bref, beaucoup de pluie, un temps horrible, donc c'est ce qu'ils avaient prévu. Aujourd'hui, ça commence à s'améliorer. Normalement, demain, juste de la pluie, plus d'orages. Donc j'ai pris la décision de rester une journée ici, à Fond de France. Donc là, je suis en train de me promener un petit peu entre deux averses. Donc je me pose et demain je repars en espérant que les conditions soient un peu meilleures, parce que ça va être de belles étapes avec des beaux lacs et des beaux paysages. Bon, en tout cas, c'était chouette de rester au gîte. Hier, j'étais à une table de 4 pour manger avec 3 autres randonneurs, un couple et puis un randonneur solo. Ils font tous les 3 le GR 738 aussi, certains dans l'autre sens, le randonneur solo dans le même sens que moi. Donc c'était super sympa, on a bien discuté, on a parlé matériel, on a parlé plein de choses. Donc c'est aussi ça les gîtes, les refuges, c'est de passer des bons moments d'échange avec les autres. Et donc ça, bah, c'est toujours super chouette. Bon, je vais en profiter aussi pour me reposer un petit peu. J'ai fait des petites lessives, j'ai lavé mon t-shirt, les chaussettes, je ne vous raconte pas la couleur de l'eau. Bon, bref, voilà. Et ben, étape à Fond de France, et puis on se retrouve demain sur le tracé du GR 738.
Direction le refuge des sept lots. Hop, c'est par ici. Et ben vous voyez, le beau temps a l'air de revenir. Bon, il y a encore eu de l'orage toute la nuit. Plusieurs reprises, j'étais trop bien au gîte. La soirée hier, c'était top, on était beaucoup de randonneurs. Une bonne ambiance à table, et ça, c'est toujours chouette. Ce matin, il fait bien frais, c'est agréable de monter par ce temps-là. Moi, j'aime pas quand il fait trop chaud. Ça, ce sont des grêlons du dernier orage. Avec cette ambiance et les nuages, trop beau. Il y a des embouteillages sur le chemin là. Je parle des moutons bien sûr. Mes passages préférés. J'adore marcher dans ces environnements, c'est trop beau. Il n'y a pas de bruit. Il y a plein de rochers, un petit peu de neige. Le col de la vache qui est ici là, en haut de mon bâton. Ça y est, col de la vache. Bon bah c'était vraiment super, ça fait du bien un petit peu de crapahuter comme ça. Ça change des sentiers forestiers et tout. Un peu de montagne quoi, comme c'est chouette. Regardez-moi ça. Regardez, il reste encore des grêlons de l'orage. Moi, je fais ma petite pause pour manger un bout quand même.
voir le col de la Vache, ça se couvre là-haut. Bon, ici c'est sympa, il y a plein d'endroits plats pour bivouaquer. Mais bon, il est midi quoi, alors je vais pas m'arrêter maintenant. Je vais continuer, j'espère que je vais trouver d'autres endroits aussi sympathiques pour le bivouac ce soir. C'est toute la grêle de l'orage. Bon, c'est mélangé aussi à des crottes de moutons, hein, on dirait bien. Et c'est incroyable la grêle qu'il y a eu quoi. Après le col de la Vache, le col de l'Aigloton, juste ici derrière moi. Et ça continue, ça descend derrière. À votre avis, ça sent la pluie ça ou pas? Il faut que je remonte par ici. Là. Tac. Et là, derrière, c'est le refuge du Haber d'Aigbel. Ouais, je crois que c'est ça le nom. Je viens de passer le refuge, pour l'instant pas de pluie, je continue et on verra bien. Vous avez vu, il y avait un troupeau de moutons avec le patou qui aboyait un petit peu sur des randonneurs. Mais il y avait les bergers pas loin qui rappelaient le chien, qui sont allés discuter avec les randonneurs. Donc tout s'est très bien passé. Moi, j'ai pas eu de problème, il m'a pas aboyé dessus le chien. Je suis passé à côté. Donc là, je continue. Je suis dans un super bel endroit, regardez. Pour l'instant, il est 15h45, donc c'est un petit peu tôt pour s'arrêter. Surtout que je suis super content de la journée. C'est vraiment... j'adore ces paysages. Alors je vais continuer en direction du refuge Jean Collet. Et puis je verrai si je trouve un endroit d'ici là. Alors moi, il me faut un endroit plat, joli avec une belle vue et puis avec de l'eau. Donc on va voir si j'arrive à réunir toutes ces conditions. Ça y est, la pluie arrive, fallait un peu s'y attendre, hein. Ça tourne autour depuis tout à l'heure. Et c'est pas grave, je vais continuer. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening, I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go?
Ça y est, j'ai trouvé mon emplacement de rêve. C'est un emplacement comme ça dont je rêvais, au milieu des montagnes, avec une belle vue. Alors, tout à l'heure, la pluie s'est arrêtée, ça s'est un peu dégagé, enfin, pas toujours, toujours. Mais là, j'ai l'impression que ça va peut-être revenir la pluie. Donc, j'ai bien fait de mettre la tente, je vais pouvoir m'abriter. Alors, je voulais un endroit avec de l'eau. Bon, bah ça, c'est l'élément que j'ai pas réussi à trouver. Donc, ça va, je suis pas très loin du refuge Jean Collet, qui se trouve, d'après la carte, à 700 mètres. Donc il me reste suffisamment d'eau pour faire mon lyophilisé, pour boire un petit peu. Et si demain matin je n'ai plus d'eau, ce qui sera le cas, j'aurai 700 mètres à faire pour aller jusqu'au refuge et je trouverai de l'eau. D'ailleurs j'ai vu sur la carte même, il y a une petite rivière avant qui passe, une source. Donc de toute façon je pourrais remplir avec mon filtre. Donc en gros je suis à 500 mètres d'un point d'eau. Donc si vraiment je devais manquer, je fais un petit aller-retour. Quoi. Bon il pleut, ça fait pas semblant. Allez ce soir. Spaghetti bolognaise. Hop. 5 minutes à patienter. On se rend pas trop compte et puis là ça s'est un peu calmé. Mais il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Bien content d'être ici. Try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. You, I was feeling lost, but you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. When I try
quelle nuit. Il a plu, mais toute la nuit. J'ai dormi, je pense, entre 4h et 6h. Sinon, avant, bah, c'était entrecoupé. Parce que la pluie, le vent, il y avait des rafales de vent. C'était assez incroyable. J'ai peur que la tente ne tienne pas, mais ça a bien tenu. Là, il y a un joli passage, un peu escarpé. Et après, je vais arriver sur le col, tout là-haut, normalement, si je ne me trompe pas. Encore une belle montée à crapahuter dans les rochers. Et regardez là-haut, on voit des gens en col. Hop, bah ils viennent de partir. J'arrive au refuge de la Pra. Chanroux, ce n'est plus qu'à 8,5 km, 400 de D+, 800 de D-. Il est 11h15, donc je pense que Chanroux va être mon prochain objectif de la journée. Et probablement la fin de mon GR738, parce que j'ai envie de rester sur ces paysages magnifiques en souvenir. J'ai beaucoup discuté avec plein de personnes qui ont fait ou qui font, qui sont passées par l'étape Chanroux-Vizille ou Vizille-Chanroux. Et qui m'ont dit, bon, à part 16-17 km de piste dans la forêt, l'intérêt n'est pas forcément évident. Et comme c'est pas le type de terrain que je préfère, donc je vais m'arrêter sur une note positive à Chanroux.
On dirait bien que la pluie n'est pas très très loin. Va-t-elle faire son retour pour m'accompagner sur le dernier kilomètre? On verra, on verra. Donc là, je suis sur les pistes de ski de Champrousse. Et donc, c'est le terme de mon parcours sur ce GR 738. Donc, je suis très heureux d'avoir traversé tous ces merveilleux paysages. J'ai vraiment adoré ce GR. J'espère que ça vous a plu de suivre jour après jour mes aventures. Je ferai probablement des vidéos sur le thème du GR 738. Par exemple, vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'alimentation. Donc si vous avez des envies, des idées de thèmes, allez-y, la rubrique des commentaires, là juste en dessous, elle est faite pour vous. Allez, je profite des quelques derniers centaines de mètres qui me restent avant d'arriver à Champrousse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la prochaine.